Adonai est ton nom, le Dieu des cieux est ton nom, le faiseur de miracles est ton nom pour l'éternité. Celui qui transforme est ton nom, celui qui agit est ton nom, celui qui délivre est ton nom, mon roi est. Pour l'éternité, sois loué, Adonai Jésus, sois loué pour l'éternité. Jéhovah Sabaoth est ton nom, Elion est ton nom. Jéhovah Shikenu est ton nom, oh, 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 pour l'éternité. Sois loué, Adonai Jésus. Sois loué, mon roi, pour l'éternité. Nous t'adorons ce matin, nous t'élevons. Le Dieu qui nous fait la grâce de voir cette belle journée de sa création. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, Saint-Esprit. Nous te disons merci. Accepte nos adorations ce matin, notre Dieu, notre roi. Mais qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi? Mais qui est comme toi, mon roi? Qui est comme toi? Faisons des prodiges. Oh, oh, oh mon Dieu, tu es ce Dieu fidèle et juste, l'incomparable et l'incontournable Jésus, le Dieu qui existe par ton pouvoir et par sa puissance, le Dieu qui a fait le ciel son trône et la terre son marchepied, celui qui n'a pas besoin de la permission de quelqu'un pour exister, le faiseur de miracles, le Dieu qui a parlé à la mer et la mer a obéi. Le Dieu qui parle à la nature et la nature obéit. Celui qui fait pleuvoir, qui fait neiger, qui libère la neige, il libère le froid, il libère la chaleur comme il le veut. Que ton nom soit exalté ce matin. Le créateur de toutes choses. La mer glorifie ton nom. La mer manifeste ta puissance. Les océans te louent. La nature t'adore, Seigneur mon Dieu. Jaune, rouge, blanc, noir, tu nous as créés pour la gloire de ton nom. Dans un seul pont, Seigneur mon Dieu, quand tu nous regardes, cela te donne plaisir que ton nom soit glorifié ce matin. Le Dieu qui délivre ses enfants, nous te bénissons. Le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, le Dieu qui existe par lui-même, alléluia, nous te bénissons. Nous t'aimons ce matin, celui qui a pensé à nous, qui a libéré, qui nous a aimés. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul fils pour nous. Merci Seigneur pour ce sacrifice que tu as offert à nous Seigneur. Merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang de Dieu qui a coulé pour nous, pour que nous ayons la vie. Merci. Merci. Merci Seigneur. Parce que la Bible dit qu'il a été flagellé, il a été insulté, rejeté, juste pour que nous puissions avoir la vie. Jésus, nous te disons merci ce matin pour ton sang qui a coulé, ce sang qui nous donne la victoire sur l'ennemi, ce sang qui nous qualifie, ce sang qui nous lave, ce sang, Seigneur mon Dieu, qui parle à notre faveur, à la faveur de nos familles. Nous te disons merci. Il t'a plu ce matin de nous faire voir encore ce merveilleux jour. Que ton nom soit célébré et magnifié. Qui sommes-nous pour nous tenir devant ton trône de grâce pour t'adorer? Qui est l'être humain, Seigneur mon Dieu? Une personne fait que tu as créé à travers avec la poussière, Seigneur. Mais la Bible dit, oh Dieu, que nous as créé en ton image, en ta ressemblance. Quelle joie, merveilleusement créé, Seigneur. Nous te disons ce matin merci. Merci parce que tu veilles sur nos familles, tu veilles sur nos églises, tu veilles dans nos nations. Nous te disons merci
Parce que l'agenda que l'ennemi a, Seigneur mon Dieu, ne va jamais s'accomplir. Il n'aura jamais son calendrier établi dans nos nations. Même dans nos familles, l'ennemi n'a pas le pouvoir. Parce que le sang de Jésus va parler dans nos familles, dans le nom de Jésus. Nous te célébrons ce matin, parce que nos familles sont sous ta seigneurie, ô Seigneur. Tu visiteras nos familles, tu béniras nos familles, tu sauveras nos familles, tu changeras le statut des membres de nos familles à la seule gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Merci ce matin parce que les forteresses dans nos familles n'ont pas d'autorité sur nous. Nous les renversons ce matin par la puissance du sang de Jésus. Les forteresses, Seigneur mon Dieu, familiales soient détruites, anéanties ce matin. Ces forteresses qui retiennent, Seigneur mon Dieu, les membres des familles en captivité, nous les détruisons. Ces forteresses qui distribuent les maladies héréditaires dans nos familles, nous les détruisons. Nous brisons la chaîne de l'ennemi dans nos familles, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, sois béni ce matin, sois glorifié. Papa, qu'est-ce que nous pouvons te dire ce matin, si ce n'est pas te dire merci. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci parce que tu existes à cause de nous. Oui Seigneur, nous te bénissons pour cela. Merci. Sois béni. Papa, ce matin, mon âme veut t'adorer, veut t'exalter à cause de tes bienfaits et de tes hauts faits. Reçois la louange et l'adoration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia ton nom. Merci, parce que cette journée est sous ton contrôle absolu. Règne en cette journée et donne-nous la victoire sur nos ennemis au nom de Jésus. Nous allons regarder la parole de Dieu rapidement pour finir dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4 et le verset jusqu'au verset 6. La Bible dit, je commence par le verset 3. La Bible dit, 2 Corinthiens 10, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce matin, nous allons renverser les forteresses. Les forteresses maléfiques qui sont là pour nous, pour rendre notre marche chrétienne difficile. Que ces forteresses soient brisées ce matin. Les forteresses dans nos familles, les forteresses en forme de paroles négatives, libérées contre nos vies. Nous retournons ces paroles négatives à ceux qui l'ont envoyé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons les forteresses dans nos nations. Que les forteresses qui sont érigées dans nos nations pour tenir les nations en captivité. Nous détruisons ces forteresses ce matin par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Merci, roi des rois. Sois élevé, Alpha et Oméga. Sois exalté. Parce que tu nous donnes cette autorité-là, Seigneur, de les renverser. Je renverse les forteresses dans ma propre vie. Que ce soit les forteresses personnelles, que ce soit les forteresses familiales, que ce soit les forteresses de la nation. Nous les renversons ce matin par la puissance de l'Esprit de l'Éternel dans le nom de Jésus. Les forteresses n'ont pas d'influence sur nos vies. Les autels maléfiques n'ont pas d'influence sur nos vies. Nous posons ce matin l'autel du sang de Jésus dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos vies. L'autel du sang de Jésus, là où la miséricorde est obtenue, là où la grâce se manifeste, là où la faveur de Dieu est libérée, là où, oui Seigneur, la main de Dieu se manifeste dans nos vies, dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, nous te disons merci, roi des rois. Sois exalté ce matin, sois honoré. Que toute la gloire te soit donnée au Père. Nous voulons sceller l'exaucement de nos prières ce matin dans le sang précieux de Jésus, en recouvrant les familles. Oui, Seigneur mon Dieu, par le sang de Jésus. Les forteresses de calamité, nous les détruisons par la puissance du Saint-Esprit. En cette saison, toute calamité programmée sur les différents hôtels, sur les différentes forteresses, nous les renversons. Forteresse de pauvreté, sois anéantie ce matin. Toi qui es là dans nos familles pour appauvrir les membres de nos familles, nous détruisons ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Père, et nous te rendons toute la gloire. Une fois encore, Seigneur, nous voulons élever les âmes dans nos nations vers ton trône de grâce. Nous prions ce matin pour les âmes.
Nous prions pour les âmes au nom de Jésus. Quiconque se tiendra, oui Seigneur, mon Dieu, sur un autel maléfique et démoniaque pour prononcer des paroles négatives. Papa, que le sang de Jésus les neutralise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois élevé et adoré. Au nom de Jésus que nous t'avons prié ce matin, nous disons Amen parce que nous savons que tu es au contrôle de toutes choses et que tu es ce Dieu qui répond à la prière. Que toute la gloire te soit donnée dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.